Ils emmènent Jésus chez le grand prêtre. Là, tous les chefs des prêtres, les anciens et les maîtres de la loi se réunissent. Pierre suit Jésus de loin et il entre chez le grand prêtre. Il s'assoit dans la cour avec les serviteurs et il se chauffe près du feu. Les chefs des prêtres et tout le tribunal religieux cherchent une raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort, mais ils n'en trouvent pas. En effet, beaucoup de témoins disent des mensonges contre Jésus, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Alors le grand prêtre se lève devant tout le monde et il demande à Jésus : « Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi ?» Mais Jésus se tait, il ne répond rien. De nouveau, le grand prêtre lui demande : « Est-ce que tu es le Messie, le Fils du Dieu que nous adorons ?» Jésus lui répond : « Oui, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venir parmi les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et il dit : « Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous l'avez entendu insulter Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Tout le monde condamne Jésus et dit qu'il doit mourir. Quelques-uns se mettent à cracher sur lui. Ils couvrent son visage. Ils le frappent à coups de poing et lui disent : « Qui t'a frappé ? Devine !» Les serviteurs prennent Jésus et lui donnent des gifles. Pierre est en bas dans la cour. Une servante du grand prêtre arrive. Elle voit Pierre qui se chauffe. Elle le regarde et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Mais Pierre répond : « Non, je ne comprends pas et je ne sais pas ce que tu veux dire. » Ensuite, il va à l'entrée de la cour, alors un coq chante. La servante voit Pierre et elle recommence à dire à ceux qui sont là : « Cet homme est un des disciples. » Mais Pierre dit encore une fois : « Non, pas du tout. » Un peu plus tard, ceux qui sont là disent de nouveau à Pierre : « Sûrement, tu es un des disciples. En effet, tu es de Galilée, toi aussi. » Pierre se met à dire : « Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. » Au même moment, un coq chante une deuxième fois. Alors Pierre se souvient que Jésus lui a dit : « Avant que le coq chante deux fois, tu diras trois fois que tu ne me connais pas. » Et Pierre se met à pleurer. Le matin de bonne heure, les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens, les maîtres de la loi et tout le tribunal religieux pour prendre une décision. Ils font attacher Jésus, ils l'emmènent et le livrent à Pilate. Pilate demande à Jésus : « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» Jésus lui répond : « C'est toi qui le dis. » Les chefs des prêtres accusent Jésus de beaucoup de choses. Pilate demande encore à Jésus : « Tu ne réponds rien ? Tu entends tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus ne répond plus rien, et Pilate est très étonné. À chaque fête de Pâques, Pilate libère un prisonnier, celui que la foule veut. Un homme appelé Barabbas est en prison avec ses camarades. Ils ont tué quelqu'un quand ils se sont révoltés contre les Romains. La foule arrive chez Pilate. Les gens se mettent à lui demander : « Fais pour nous ce que tu as l'habitude de faire !» Pilate leur répond : « Est-ce que vous voulez que je vous libère le roi des Juifs ?» En effet, Pilate le sait bien. Les chefs des prêtres lui ont livré Jésus par jalousie. Mais les chefs des prêtres poussent la foule à dire : « Libère-nous Barabbas !» Pilate leur demande encore : « Qu'est-ce que je vais donc faire de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» Ils répondent en criant : « Cloue-le sur une croix !» Pilate leur dit : « Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal ?» Mais il crie encore plus fort : « Cloue-le sur une croix !» Pilate veut faire plaisir à la foule. Il leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet, puis il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix.
Il est 9 h du matin quand il le cloue sur la croix. Il y a une pancarte qui indique pourquoi Jésus est condamné. Dessus, on a écrit « Le roi des Juifs ». À midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 h de l'après-midi. À 3 h, Jésus crie d'une voix forte. « Eloi, Eloi, lema sabachthani ?» Cela veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais Jésus pousse un grand cri et il meurt. Le soir est déjà là. C'est le jour où on prépare la fête, c'est-à-dire le jour avant le sabbat. Joseph, de la ville d'Arimathée, arrive. C'est un notable du tribunal religieux. Il attend lui aussi le royaume de Dieu. Courageusement, il va chez Pilate et il lui demande le corps de Jésus. Pilate est étonné d'apprendre que Jésus est déjà mort. Il fait venir l'officier romain et lui pose cette question. Est-ce qu'il est mort depuis longtemps ? L'officier romain le renseigne, puis Pilate permet à Joseph de prendre le corps de Jésus. Joseph achète un drap. Il descend le corps de la croix, il l'enveloppe dans le drap et le met dans une tombe creusée dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardent l'endroit où on met Jésus. Quand le sabbat est fini, Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et Salomé, achète des huiles parfumées pour aller les mettre sur le corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se disent entre elles, « Qui va rouler pour nous la pierre à l'entrée de la tombe ?» Mais les femmes regardent et elles voient qu'on a déjà roulé la pierre. Pourtant, elle est très grande. Elles entrent dans la tombe, elles voient un jeune homme assis à droite en vêtements blancs. Alors les femmes sont effrayées. Mais il leur dit, « N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu'on a cloué sur une croix. Il s'est réveillé de la mort, il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples, « Jésus vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l'a dit. » Les femmes sortent de la tombe et partent en courant. Elles tremblent. Elles sont bouleversées et elles ne disent rien à personne parce qu'elles ont peur. Le dimanche matin, Jésus s'est relevé de la mort. Il se montre d'abord à Marie de Magdala. Il avait guéri cette femme en chassant 7 esprits mauvais qui étaient en elle. Marie de Magdala va raconter aux disciples ce qu'elle a vu. Les disciples sont dans le deuil, ils pleurent. Ils entendent Marie leur dire « Jésus est vivant, je l'ai vu !» Mais ils ne la croient pas. Deux disciples sont en route pour sortir de la ville. Jésus se montre à eux d'une autre façon. Les deux disciples reviennent le raconter aux autres, mais on ne les croit pas, eux non plus.